Inclusieproject als een verrijking voor de school, als een professionalisering van de school. Het is een reële weergave in studierichting elektromechanica. Daar gaan ze nu echt eens aan de slag in een bedrijf. Hoe gaat het? De competenties die ze daaraan leren. Dit zijn zaken die wij hen eigenlijk niet kunnen leren. En dit, dankzij dit project, kan nu wel. Ik ga nu 600 uur volgen bij Audi in Brussel. En dit is een unieke kans, want het is de enige school en ook de eerste in België die deze opleiding zal volgen bij Audi. Het is ook wel een unieke kans, want als je dan afstudeert hier, als je het zesde hebt geslagen, dan kun je daar gaan werken bij hen. Ik leer laserbasis en zo, een beetje instelling van PLC. Ja, de basisdingen van elektromechanica. De fabriek is heel groot, je kunt er heel veel verliezen. Er is ook heel veel personeel en de machines zijn enorm. Er zijn wel meer dan 1000 machines, denk ik. Wij krijgen nu eindelijk meer toegang naar de industrie naartoe, want dat is altijd een moeilijk gegeven. Wij hebben soms een beetje contact met de industrie, dat was tijdens de stages, maar heel beperkt. Nu is dat redelijk uitgebreid. We kunnen rechtstreeks meewerken in de bedrijven zelf. Les écoles sont tout à fait capables de former de jeunes techniciens de qualité. Seulement, quand on voit la vitesse à laquelle les technologies avancent, il est évident qu'on peut montrer une série de choses, mais qu'on ne peut pas s'acheter systématiquement le matériel haut de gamme et de pointe. Depuis déjà très longtemps, l'Institut Don Bosco essaye de faire des partenariats qui permettent aux élèves d'être en contact avec ce matériel. Audi est évidemment une marque prestigieuse, avec des moyens que jamais aucune école ne pourra avoir. J'ai choisi l'option électricité automaticien parce que ça touche dans tout ce qui est le domaine de l'électricité. C'est quelque chose que j'ai appris à aimer en fait en 2 ans. Et donc je me suis dit au lieu de me lancer en informatique, ce dans quoi je voulais me lancer à la base, ben, je me suis dit je vais continuer dans quelque chose que je suis sûr que j'aime. Le contact avec l'industrie fait que les professeurs sont aussi au courant de l'évolution des technologies nouvelles. Ce qui ne serait pas le cas si le professeur ne sort pas de son école. Donc pour nous-mêmes, c'est un enrichissement personnel. Audi Bruxelles, je pense que c'est une très grande entreprise où il y a beaucoup de gens qui travaillent mais qui sont vraiment heureux de travailler là-bas. On voit que c'est du matériel assez neuf, etc. Donc ça donne vraiment envie d'aller travailler là-bas et de justement avoir cette expérience en entreprise directement. C'est une très bonne usine, une très belle usine surtout. Quand j'ai visité, on est un peu ébloui quand on voit comment les machines et tout fonctionnent. On n'imaginerait pas ça quoi, en temps normal.